Et tout le monde, c'est Soul sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire Gymkhana et Grandmaster pour se faire la deuxième épreuve. Rocket Science. Donc du coup, à partir de maintenant, on revient à la toute première playlist avec la deuxième épreuve de chaque playlist. Donc là maintenant, la prochaine fois, ça va être la semaine prochaine, on va se faire le 2. La deuxième épreuve de Banning Japan. Voilà, comme promis, hein, tout sortira hein, en épreuve et en défi, c'est juste qu'il faut patienter. Mais la semaine prochaine, on vous aura bel et bien Banning Japan en épreuve. Voilà. La prochaine fois qu'il y aura une playlist sur The Counter Fest, ça sera sûrement au mois de mars. Enfin, c'est pas que ça sera sûrement, c'est que ça sera au mois de mars. Et bon, les épreuves de Onigan, vous avez déjà toutes eu sur YouTube, étant donné quand j'ai fait la présentation de la mage, hein, bah, cette épreuve vous l'avez déjà eu en fin de compte sur YouTube, hein, finalement. Donc finalement, c'est pas vraiment inédit pour le coup. Mais bon, en inédit, c'est quand la vidéo elle sort uniquement, il n'y a que ça dans la vidéo et il n'y a vraiment que ça. Voilà. Bah, après, c'est vrai que là, il n'y a vraiment que cette épreuve. Voilà, comme en fait je fais exactement comme The Pro 2, hein, toutes les épreuves de The Counter Fest et tous les défis seront faits de la même manière que The Pro 2, comme The Pro, enfin tout pareil quoi. Ça va juste me prendre plusieurs années à faire ça. Enfin plus d'un an. Mais c'est pas grave, hein. Comme ça vous permet d'avoir du contenu régulièrement sur ma chaîne YouTube. Et aussi ça vous permet d'avoir tous les lundis et les vendredis une vidéo qui sort de l'ordinaire et puis la thématique n'est jamais la même chaque lundi quoi. Et c'est justement pour ça que je fais ça. C'est comme ça, tous les lundis, vous avez une thématique complètement différente. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même pas mal. Hein. Bah, moi, je propose quand même du contenu sur YouTube qui est quand même super bon. Surtout qu'à l'époque, si jamais vous êtes des anciens, regardez ma chaîne YouTube, bah, faut comme savoir qu'à l'époque, mes vidéos étaient qu'en 720p et je faisais jamais de vidéos en 1080p. Et absolument toutes les vidéos sur The Counter Fest sont en 1080p. Hein. Ça c'est la nouvelle norme, donc maintenant c'est toutes les vidéos sont en 1080p sur ma chaîne YouTube. Mais ouais, sur The Crew 2, toutes les vidéos ne sont pas en 1080p, mais justement, j'ai l'intention de refaire toutes les épreuves et défis sur The Crew 2 pour qu'elles soient en 1080p. Un jour, quand on ne saura pas quoi faire, on fera toutes les épreuves. Bon, on fera les épreuves en difficile, on ne fera pas les épreuves en normal, on les a déjà fait une fois. In the quest to becoming a Gymkhana master, the tricks we set up require a ton of precision and therefore training. Proper car control requires timing and impact. Everything is weight balance. Engage the brake hard at that perfect moment, get proper steering, but above all, never lift. Let's see how you handled your first slides with the Hoonicorn. So now the real test is going to be whether or not you can manage to put this all together in real Gymkhana conditions. First, out of this versus that, I want to put together. There's two cars I want to see go head to head. Take your pick. Alors du coup, la prochaine fois, du coup, on se fera du coup une épreuve de Made in Japan. Et ça sera du coup
Wanagan Sprint. D'accord. Donc on se fera cette épreuve-là le lundi 8 janvier. Donc on lundi 8 janvier, c'était sous le centre-trophée.